Alors, par exemple, là, c'est un avion qui est doté du Wi-Fi, donc on peut télécharger cette application et on a toute une somme d'accès à des programmes, à différents programmes. Ici, on a Tsvia, qui peut dire des programmes visuels, audiovisuels. Haazana, c'est l'écoute, c'est des programmes audio. Gria, c'est la lecture. Tassimelal, ça c'est sûrement des infos sur la compagnie. Tassimelal, c'est-à-dire que nous volons avec Elal. Yeladim, ça c'est des programmes pour enfants. Alors, programme très studieux. Yahadout de Massoret. Yahadout, c'est le judaïsme. Et Massoret, c'est tradition. Massoret, c'est la tradition. Donc c'est des programmes sur la religion et la tradition. Mappa, ça c'est pour voir où se trouve notre position sur la carte. Chat, c'est le chat. Et Misrakim, c'est les jeux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker ou à partager. Pour revoir l'intégralité des vidéos à cours d'hébreu, rendez-vous sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur votre portable grâce à l'application Beivrit. Je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo et encore plus d'hébreu.